Mesdames et messieurs, nous voici de nouveau sur Congo Live Télévision. Babiso ye yoto kabla kabino basango ya makambo ezole kanaka tiambo kanabiso boye et là mon kolanda. Nouvelle émission sur Congo Live Télévision depuis la ville de Goma, c'est 20 avril 2024 Trubi. Basango o ezole kanaka tiambo kanabiso, basango o ya masuru ezole ka. Elike ezali ke mukolo moko biloko ekosimba. Lelo tozana ba basango ebele. Quant à ce qui concerne Masuro Yuzo, les Kanakati Amboka Nabiso, plus précisément à l'est du pays. Ponako Banda, Mokonzi à défense, Jean-Pierre Bemba Ngobo, premier ministre, vice-premier ministre, ministre à défense, Nakatia Mboka Ituri, Aye, Ponako Landela Makambo Oyo, Yaba groupe rebelle Oyo, Lelo Bandimi, ko déposer Manduki na bango po kepe bango ba servir mboka na biso lelo tozolo bela yango lelo awa na Congo Live Television ba masolo za ebele to beta pe masolo o ya ministre des affaires humanitaires na kati ya mboka Goma wa asala ki point de presse pe ba beta ki tour na ka ba déplacer ce ko ba contenir un message na e oyo alobaki kozala ya mbo malonga oyo tokolo bela po na mukolo oyo ya lelo les dames et messieurs bo mi installé confortablement bolanda masolo pona ko banda oyo to yebisa kibino to ko bandela wana oyo mukonzi ya défense nationale Jean-Pierre Bemba Ngobo azana kati ya Ituri depuis ya 2 jours comme ça et puis ba résultat ba fruit musala bango sala yango bozo yo ka to tanga na bino elongo 5 groupes armés locaux opéra dans la province sous état de siège de l'Ituri ont signé en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, un acte d'engagement marquant la cessation immédiate des hostilités. Bango moko bandimi lelo eki batiki kosala makambo babandaki kosala. Tokuzongela koloba eke soki batuana bandimi lelo ko déposer manduki, soki batuana bandimi lelo baza engagé kotika ba cessation ba hostilité boyoka kana sango masolezo salima na kati ya Ituri place bazobu mabatu batu bokende bilanga ba bumi bango ba viole ba mama ba groupe rebelle nyoso wana esali insécurité na kati ya mboka lelo soki sengeli to loba lelo soki sengeli to yeba lelo soki sengeli to retenir quelque chose s'il se fait kolobe la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo lelo c'est Nine singala ki to noté. Entre parenthèses, nous les groupes armés de l'Ituri, biso ba groupe armé ya Ituri, bangonde bazoloba. Nous les groupes armés de l'Ituri, entre parenthèses, Codeco, FRPI, FPIC, Autodéfense, MAPI. Réunis en date du 19 avril 2024 sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur le VPM de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Ngobo, prenons l'engagement de cesser immédiatement des hostilités dans l'intérêt de la paix, ont déclaré en ces termes les groupes armés précités avant de signer au bas de l'acte de de l'acte d'engagement. Bandimi lelo, une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Ba groupe rebelle, wana na kati ya Ituri, lelo, endimi ko depose manduki. Province à Nord Kivu na province à Ituri. Les deux provinces à l'est du pays en proie à l'insécurité. Qu'est-ce qui faisait l'insécurité dans cette province? Eza ba groupe rebelle wana. Ba Codeco, boyo kila bango musika. Papa yo kila Codeco musika. Aujourd'hui, ba Codeco, ba groupe rebelle oyo na kati ya province ya Ituri, endimi ko déposer manduki. Endimi ko déposer manduki. 5 groupes armés locaux opérant dans la province sous état de siège de l'Ituri ont signé en présence du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, un acte d'engagement marquant la cessation immédiate des hostilités. Nous, les groupes armés de l'Ituri, Codeco, FRPI, FPIC, Autodéfense, MAPI,
réunis en date du 19 avril 2024 sous la haute responsabilité de Son Excellence Monsieur le VPM de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans l'intérêt de la paix, ont déclaré en ces termes les groupes armés précités avant de signer au bas de l'acte d'engagement. Dans l'Ituri, les gens qui faisaient l'insécurité, les acteurs, les auteurs de l'insécurité de la province de l'Ituri, les Lobandimi qui ont déposé Mandouki, et là qui n'a présence à Mokonzi Jean-Pierre Bemba Ngobo, va déposer Mandouki Lelo. On est en train de chercher la paix, mais d'une manière durable. La paix totale à l'est du pays. L'implication de tous les Congolais en Gotozolo Balelo et que Esengeli ba Congolais n'yon soubaz à la impliquer dans cette affaire. Félix Antoine Tshisekedi est le président actuel, mais demain à Kozala yete. Mboka oye Kozala. Intégrité nationale Esengeli ezala na surface nango e kokanyango n'yon so na bien. Esengeli toyeba. Et que Félix Yepé Azan ne konabiso un de nous comme un Congolais. Oh Yepé Azan mené le lit, yako protéger mbo kanabiso. Et Sengelite toti que la charge nyo soana te, c'est notre affaire. Likamboya est eza affaire nabiso nyo so. Likamboya est eza makambo oye concerné ba Congolais nyo so. Ce qui est Sengeli, c'est défendre l'intégrité de Nabiso. Chaque Congolais doit s'inscrire à fond pour le faire. Bonne nouvelle, Yango Wana, Touzan Angolelo. Koyebi Sabino, vraiment, gouvernement est Sungabiso. Désengagement, engagement, Oyo Yakotika Baostilité, Ezala Lelo, Pe Libela. Que demain ou après demain, Toyo Kalisu Soute, Keno, Babandi Isu, Ba groupe, Ba rebelle, Na Bangoana. Que lobi to lobi kuna, to yo kango te ke non e bandi li susu. VPM à défense, félicitations à Moussalo Bosala. Mais rassurez-vous et que tout royo vous mettez fin d'une manière définitive. Ba mouvement ya ba rébellion. Parce que bango, bazagi wo contribuer na insécurité na kati ya mboka wana. D'abord, une des choses, o ba tubazo banga lelo et que, même après la guerre, les Ouazalendou seront un objet y a insécurité à l'est du pays. Non. Bakozala objet insécurité te. On est toute une nation. On est toute. Tozab mboka mobimba. On est toute une nation. Gouvernement mobimba. Eko zala. Eko. Qu'est-ce que je voulais dire dans le poteau? Donc, groupe yaba rebelle. Eko zala capable de relever. Mobulu na bangote liboso gouvernement mobimba. Te. On saura aussi comment les maîtriser. Ils sont là momentanément pour la défense de la patrie, pour la défense de Mboka na biso. Mais est-ce qui est vrai, ce qui est réel, et que l'obito l'obikuna, et que ça les ma, bango pe bako maîtriser bango, on saura seulement comment le faire. Mais d'une manière durable, Jean-Pierre Bemba, mon, monsieur le ministre, rassurez-vous que Batouana, Batiki Manduki, Pona Libela. Nous saluons aussi la volonté de ces jeunes. Yabatu Oyo Bandimi Kotika Manduki Nakatia Ituri. Trobi, félicitations. Vous devez montrer votre capacité tout en défendant l'intégrité nationale et non tiwe vos frères. Kodeko. Ah. Boyo ki la Kodeko Musika. Écoutez que Kodeko Oyo Bozoyoka. Mais Kodeko Oyo Bisoto Yoka Kate. Kodeko. Leloso Bandimi Boe. Ça montre combien de fois que le gouvernement congolais est en train de se démener pour rétablir la paix d'une manière durable à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, parlons-en ici de l'affaire Yabitumbaya Est. Baka yaba déplacé le lieu Tondi. La ville de Goma est débordée. Voilà les vrais mots qu'il faut utiliser. La ville de Goma est débordée. Nabiloko Mibale. Yayambo, si immortalisation est basoda. Basoda basé belé dans la ville à Goma. On ne sait pas qui est qui. On est en train de confondre les unités. Ba force spéciale et belé. Tantôt moniba GR, garde républicaine. Tantôt moniba PME. Tantôt moniba tu as force navale. Tantôt omoni tu as SADEC. Tantôt moni Wazalendo. Donc, confusion, ils ont belé.
Ba troupe eza ebele. La ville ne respire pas. Simultanisation. Yango bakozi fo botala. Ça c'est aussi parmi les choses qui exposent la population. Batu oyo bazana manduki, c'est pas mauvais que les militaires soient aussi en ville, mais pas avec les armes, trembler avec les armes. On sait que tous en état de guerre, mais c'est aussi exposer la population. Toutefois, les gens se promènent avec les armes en pleine ville. Toyebi tous en état de guerre. Toutefois, c'est engel que batu ana ba défendre patrie. Toutefois, c'est engel batu ana ba défendre intégrité. Mais débordement on a. Yango pezo monana bien te. On revient alors pour dire que débordement a mis balé. Ezayaba deux placés de guerre dans la ville de Goma. Qu'est-ce qu'il faut noter? Plus de 160 000 ménages autour de la ville de Goma de camps de déplacés. Batubazo Koufanzala, Batubazo Sila. Ce que le gouvernement congolais est Banzaki. Voilà donc place aux Olobela déjà les lots. Le gouvernement congolais est Banzaki. Kobanza dans le sens de penser. Que Essengel va mener assistance à Bango près de ces gens. Et maintenant, le ministre des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, son excellence, dans la ville de Goma, Lobby, ils se sont rendus dans les camps de déplacés pour effectuer une visite. Effectuer qui visite à courtoisie, visite à fraternité. Il y avait aussi les ambassadeurs de l'Union européenne. Après visite, Bakenda ki bazalaki na point de presse. Makambo oyo sikoyo mokonzi ya lobaki. Na kati ya point de presse. Eza yango makambo ezome mangambo. Makambo oyo. Wana eza. Tika totanga mwa mouke. Parce que moi personnellement j'étais là et j'ai noté quand même quelque chose. J'étais présent et j'ai noté quelque chose. Oye sengeli lelo e sengeli bo retenir. Na makambo oyo zo salima na kati ya mboka na biso. E faut pas. Qui va dire biso. Ba koleke la biso te. Ba ambassadeur bazala kiwana ya Union européenne. Mokonzi na biso pe azala kiwana oyo ya ba affaire humanitaire. Ce qu'on a point de presse na bango oyo basala ki lobby awa na Goma ezaki na serré na hôtel. Ni esengeli boyeba. Biso tozali pona kopesa bino basango ya masolo oyo zoleka partout dans la kati ya mboka na biso. Partout na kati ya mboka na biso. Alors, on revient ici. Ah, tozana nuna nakaya ba déplacer nini ya lobaki. Le peuple congolais dit fermement non à cette violation du droit international. Il se battra jusqu'à dernière goutte de sang pour défendre l'intégrité territoriale de son pays. Ce qui s'est passé au Soudan, s'il vous plaît, à Yougoslavie et en Somalie ne peut être dupliqué en RDC, a déclaré ce vendredi ministre congolais des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga. Oye, salima kikuna na Soudan, et que salima kanamboko jamais. On a divisé Soudan. Nakati amboka na biso, ça ne va jamais se faire. Bako dipe bisote. Les journalistes ont s'inscrit à fond. Les mouvements citoyens s'inscrivent à fond, ils s'inscrivent à fond. Les acteurs de la société civile, on s'inscrive à fond dans cette affaire. Heureusement, les autres vous en a honneur, il y a que recevoir un acteur de la société civile dans Makambo et pour le Belango peut très bien. Et ce sont Zambé Asungi, on va lui recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Congo Live Télévision, Monsieur Moïse Hangi. Et puis on va discuter dans Makambo, on a beaucoup de joie, intégrité, idée dans Bango pesa nini na kati ya lit. Oya bitumezo le kana est yakati amboka na biso donc ezakuloba nakaya ba déplacer il a fait savoir d'abord que oyo ko diviser mboka et ko sale maka jamais notre mboka ko sala jamais divisé nini lisusu alobaki wana sko tuzana kati a point de presse je noté na tia ki ba point ya makambo nyoso bandaki koloba il a dit ceci le ministre Mutinga devant les ambassadeurs je voudrais que la presse et les ambassadeurs retiennent que pour la RDC, l'intégrité nationale de notre pays est sacrée. Elle n'est pas négociable. Cette affirmation est soutenue par la Charte des Nations Unies, de l'Union africaine et par la Constitution de la République démocratique du Congo. Cela préoccupe notre voisin, le Rwanda,
qu'il s'intéresse non seulement aux limites géographiques de notre pays, mais aussi surtout à nos sous-sols. Cette revendication non fondée de Kagame, juridiquement maladroite et belliqueuse, a été contre toute attente, appuyée par le président Sarkozy, qui, lors d'un passage de Kinshasa, proposait à la RDC de partager ses richesses frontalières avec son voisin. Tout cela justifie les massacres et la guerre qui nous préoccupent aujourd'hui. Wana ministre Modeste Mutinga. Bah, propos Isaïe Bélé, Oyo qu'est-ce qu'il en a noté encore guerre à l'est du pays? Il faudra que la communauté internationale, chers ambassadeurs, vous nous aidiez à dire au président Kagame que la balkanisation de la RDC n'est pas possible. C'est cela qui mettra fin à cette guerre. C'est cela qui permettra à la RDC de cesser de dépendre de vous pour que vous ne fassiez que verser de l'argent sans limite. Vous avez entendu ce matin que la population réclame le retour hein, que la population réclame le retour de ces milliers d'origine. La population congolaise ne demande que la paix, rien d'autre, la paix. Makambo eza ebele, ya yo zo sali managati ya mboka na biso. Sikoyo, wana eza ba propos ya Modeste Mutinga, ministre des Affaires humanitaires, nakati ya ville ya Goma lobby. J'ai noté, j'ai été attentif. Nenge bozo tala na ba photo wana. Moi, j'étais là personnellement. Ba propos na enyoso, chaque mot, j'ai pris note. Alors, wana place tozo zongela, et c'est même par là où tu consilies ça. Bien qu'il y a d'autres nouvelles, peut-être on va y revenir demain. Aujourd'hui, tant d'abissos ils ont filé, tant d'abissos ils ont coulé comme pas possible. Il y a beaucoup de nouvelles, mais Tikato Sili, c'est là. Awa, il y a Koulobanini. RDC combat M23 FARDC. La Belgique appelle Waneza ambassadrice. Il y a Belgique dans la RDC. Qu'est-ce qu'elle a dit? Une chose qui va révolter les Congolais. Une chose qui va pousser les Congolais a brûlé même ambassade na Bango na kati ya Kinshasa. Parce que, place tozala kibiso, elle a dit cela, bari, batu babandi ko mirmire, Donc, ba propos na ye, eza soutenu te par les Congolais. Tika na tanga ngo boyo kasikoyo. La Belgique appelle Kinshasa au dialogue pour mettre fin à la crise. Déjà, est-ce que vous appelez aussi la RDC au dialogue? Si oui, affichez dans les commentaires. Sinon, affichez dans les commentaires. Avant que je continue à lire la suite de ces messages. Est-ce que vous appelez aussi la RDC au dialogue? Si oui, affichez dans les commentaires. Sinon, affichez dans les commentaires. Je voudrais rassurer les ministres. Il n'est absolument pas question de toucher aux frontières de la RDC. Quand on appelle à la discussion et à la médiation, c'est parce qu'il n'aura pas de solution militaire à ce conflit. Il faudra se mettre autour d'une même table. Il faut trouver une façon de rappeler à l'ordre et de comprendre qu'on ne peut ni envoyer des troupes dans un autre pays, ni soutenir des rébellions dans un pays voisin, a déclaré ce vendredi à Goma Roxane, l'ambassadrice de la Belgique en RDC, Ezalaki à Goma, à ma présence. Moi, j'étais là lorsqu'elle a déclaré ses propos. Ezalaki n'a qu'à tirer point de presse. N'ayez vous autres la photo, Néwana. Comme vous voyez ces images. Moi, j'étais là présent. C'est pas ce qu'on m'a dit. Na monaki na yokaki. Ye azo benga biso lelo na kombo ya Belgique, na place à Belgique, et que lelo biso to dialogue na Rwanda. Quelle humiliation, bande kurangai. To dialogue na Rwanda. Plus de 12 millions bakoufa. Et sengali lelo to zwa conscience de voir là où nous avons échoué, de voir là où nous avons failli pour relever ce défi. Et c'est là que nous sommes unis
pour élever ce défi. Et n'est jamais, jamais, alors au grand jamais, accepté d'être dominé pardon, par la communauté internationale. Ça ne peut jamais se faire. Voilà donc ma information, voilà donc les points. Yamakambo, Ezole, Kanaka, Tambo, Kanabiso. On ne saura pas finir, oh Seigneur, Batan, Abiso, Zokende, Mbangu, Mbangu. On finit par ici. Le Mokonzi, Tata Cardinal est rentré hier. Depuis hier, il est de retour à Kinshasa. Tata Cardinal, Azongra qui na na na. Na salo via épité, donc Azonga Kindenga Kindaki. Mais on finit par ceci. La Monisco a remis d'une manière officielle la base de Bunyakiri au FRDC ce vendredi 19 avril 2024. Nous sommes honorés de marquer cet instant historique au moment où Bunyakiri devient la première base à être remise au FRDC. Déclaration du général de division Kar Diouf. A déclaré au bas contingent à Bangoua déclara que nous baza vraiment erré baza tellement joyeux que ta la boni base au ya Bunyakiri ba remettre en gros dans quatre maboko ya FRDC. Donc retrait ou les en processus à retrait ya ba Monisco casque bleu mission isienne en RDC et bandit déjà kuna na bangam ba basi qui vous continuer bazo mi retirer et qui ba base moko moko ba bandit remettre en gros na et pas ya FRDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Après le temps, c'est pas le temps, va le temps, c'est pas le temps. Et même par là, on va se dire au revoir pour ce samedi 20 avril 2024. J'étais Youssoufou Kibingila David pour ces informations. Je suis journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Disponible au plus 243 993 46 71 93. Pour les affaires à baforage, Nando Lobele Angote. Ministère de la Finance, Mbongo Bazolia. Les investigations ont continué. On revient ce lundi avec d'autres précisions sur cette affaire. Pour les affaires à Généraux, Oyo Bazoi, Bambongo Basoda. On revient ce lundi pour d'autres affaires. Donc, on continue à investigation à Bissot. Et puis, on continue à soutenir, Baye Oyo Bazo soutenir, Baye Oyo Bazo Bundapo Namboka. On soutient ceux-là qui soutiennent, ceux-là qui se battent pour la nation. Merci mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Bon samedi, bon week-end à vous et à la prochaine pour d'autres actualités.